Bam! Et on débarque. Hop, salut tout le monde. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait sub. Enfin, je sais pas si c'est quelqu'un qui a sub. Je crois que c'est quelqu'un qui a follow. Je suis désolé, j'ai même pas pu voir le nom. Donc en vrai, si tu peux lâcher juste un message dans le chat, comme ça au moins je te remercie parce que. Parce qu'en vrai, bah, j'ai laissé passer ça comme ça. Sinon, salut tout le monde. Je sais pas si on m'entend bien. Normalement, on m'entend bien. J'ai essayé de baisser le son de la musique à fond. Hop. 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 Nickel. Nickel, nickel, voilà. Alors, je vérifie, mais normalement, ouais. Normalement, quelqu'un a follow. Si j'arrive à retrouver le nom. On va faire ça. On va chercher ça. Pendant ce temps, du coup, je me suis pas spoil la compo. Je me suis pas spoil la compo d'aujourd'hui. Hop. Je vais vite fait. Je vais faire ça vite. Hein. Hop. Studio vidéo. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, exactement. C'est. Alors. Normalement, c'est Emir Bandino. Si je me trompe pas, c'est Emir Bandino. Donc, merci à toi. Merci à toi pour le follow. Normalement, c'est toi. Hein. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Exactement. Du coup, on va aller découvrir la petite compo. Alors, je me suis fait spoil que la défense. Voilà, pour que vous sachiez. Hop, voilà. Je me suis fait spoil que la défense.
Donc on m'a dit ce qu'il y avait en défense. Je sais qu'il y a Gigot. Même en fait non, même la défense, je crois que je me souviens plus. Je sais qu'il y a Gigot en défense. Sinon pour le reste, je sais pas trop qui y a. Alors je vais juste mettre le chat de côté comme ça. Je peux voir si jamais il y a des messages. Hop. Voilà. Alors, je vais juste rafraîchir la page. Je suis chiant. Je change les trucs à la 5, à la dernière seconde. C'est très grave. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est revenu à la normale. Donc, on va aller voir cette petite compo. Voilà. On va y aller vite fait. Bien fait. Tac, tac, tac. Allez, allez. Rafraîchissez-moi. Rafraîchis-moi ça. Bon. Super. Je vais devoir aller chercher moi-même la compo. Alors, je crois que c'était Karim Atap qui l'avait sorti en premier. Mais est-ce que. Ok, l'OM l'a sorti. Ok, je vais essayer de me. Attendez. Hein. Attendez. On va faire un truc. Je vais essayer de. De l'enregistrer. Voilà. Voilà. Hop, je ne me spoil pas. J'espère que. Voilà, allez, nickel. Maintenant, je vais vous la mettre, je vais vous l'afficher. Comme ça, on va la voir ensemble. Voilà. Sachez que je ne l'ai toujours pas vu. Hein. Ah merde. Hop. Voilà, je ne l'ai toujours pas vu. Je vous l'ai mis sur le live, mais je ne l'ai toujours pas vu. C'est pas possible. Comment je fais pour la sélectionner? Ah voilà. Voilà, je la. Descends comme ça. Oula! J'ai tout détruit. Là, j'ai détruit tout le setup. Tac. Nickel. Je règle tout pendant. Alors, du coup, on va commencer rapide, on va commencer comme ça directement sur la charnière défensive. Ok, déjà je vois un peu à quoi ça ressemble. Paul Lopez dans les buts. Je pense qu'on va le mettre plus de ce côté, comme ça je peux voir le chat. Oh, salut Vidal. Salut Vidal. Je n'avais pas vu, je sais pas si tu avais envoyé d'autres messages. Salut Vidal. Ouais, franchement, la défense, je viens de voir. Là, j'essaye de me faire petit à petit parce que je sens. Plus je vais monter vers les éléments offensifs et plus ça va être meilleur. Enfin, j'espère. J'espère. Me spoil pas. Hein. Je sais qu'il y a moyen que tu l'aies déjà vu la compo. Me spoil pas. Juste, j'espère. Juste, dis-moi si au milieu de terrain on est bon ou si ça va être catastrophique. Parce que j'ai vraiment peur de ça. J'ai vraiment peur qu'au milieu de terrain. Parce que bon, Lille, je vais pas te mentir, Lille sur les derniers matchs niveau contre, ils sont très très bons. Et va nous falloir un gros milieu de terrain pour essayer de contrer ça. Donc j'espère que le milieu de terrain sera bon. Donc déjà, niveau défense, là actuellement, celui qui va me plus rassurer, ça va être Mbemba. Honnêtement, ça va être celui qui va me plus me rassurer. Tekken, je dis rien. Ben merci, nickel. Nickel. Du coup, Mbemba, c'est celui qui va me plus rassurer. Gigot, j'ai peur. Gigot, j'ai peur, même s'il a fait un gros match en vrai en Ligue des Champions. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi, je trouve qu'il a fait un gros match en Ligue des Champions. Mais après, bon, il y a des matchs où franchement j'ai peur quoi. Et Balerdi, bon, n'en parlons pas. Il y a des matchs où. Et pourtant, je l'aime bien, Balerdi. Balerdi, franchement, moi je l'aime bien. J'aime bien le joueur parce que bon, je trouve que techniquement, il a un truc en plus. Mais vas-y, il y a trop d'erreurs des fois. Et bon. Des fois, c'est un peu chiant, quoi. Alors, oula, bon, il faut pas que je me trompe encore. Hop, c'est bon. Oh, allez, je vais essayer de pas regarder la droite. C'est qui ça? Ok, bon, close. La normale, close. Ensuite, je décale un peu. Kolasinac. Attendez, ça veut dire pas de Nuno Tavares. Pas de Nuno Tavares, si j'ai bien compris. Parce que du coup, si. Je regarde pas, hein. Même s'il y a peut-être les autres se sont affichés, mais moi j'ai mis de toute façon ma main juste en face, donc là je regarde pas. Mais ça voudrait dire que du coup, ça va être une charnière Mbemba, Gigot, Balerdi, et du coup Kolasinac à gauche et Klose à droite, si je comprends bien. Si je comprends bien, c'est comme ça. L'idéal maintenant. Ah merde, faut juste que. Pourquoi j'arrive pas à la sélectionner? Voilà.
Voilà. Maintenant, je vais continuer un peu à droite. Gay! Ok! Alors ça, je m'y attendais pas. Bon, en vrai, si, un peu. En fait, si le prochain, là, c'est vrai et tout, si, un peu. Parce que, bon, Rongier, il est suspendu. Mais bon, de toute façon, qui est-ce qu'il peut mettre? Moi, vraiment, l'idéal, ce serait qu'il mette en 10 Payet Gerson. Mais je suis pas sûr. Vidal, tu peux la voir. Non, sur Insta, justement, il l'a publié en retard. Tu peux la voir sur Twitter. Alors, je vais essayer de te choper le lien sans regarder, sans regarder la suite. Hop, copier et je vais te la coller sur le chat, comme ça tu vas la voir. Tac, tac, tac. Il la met en retard sur Insta. Voilà, pour que tu saches, il la met en retard sur Insta. Mais sur Twitter, ils la mettent en avance. Donc voilà, tu l'as normalement sur Twitter. Et je sais que Karim Attab, journaliste Maritima, il la met aussi encore plus en avance. Donc voilà, petite info comme ça. Si jamais tu veux voir la compo bien en avance, t'as Karim Attab à suivre. Sinon, Pape Gay, j'espère du coup que c'est Veretout à côté. Ok, c'est Guendouzi. Pas de soucis, Vidal, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Des fois, je lâche des petites infos comme ça. Au moins, tu vas être informé des compos bien en avance. Tu seras à l'aise, tu vas être tranquille. Du coup, ok. Ok, Guendouzi. Donc là, si je me réfère à ce qui a été dit en conf de presse, Payet devrait être titu. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. J'essaie de cacher. Allez. On espère que ce soit le cas. Hop. Aminarit, ok, d'accord. Ah oui, donc vraiment compo inédite, quoi. Ok. Donc le gars a voulu tout changer d'un coup, très bien. Under, ok, d'accord. Waouh. Le gars enchaîne les changements, quoi. D'accord, ok. Waouh. Oh, le 11. Le 11 a totalement changé, quoi. D'accord. Est-ce que Alexis. Ok, Alexis Sanchez, la normale, la normale. Est-ce qu'il y a un côté, un joueur à côté? Non, c'est bon. Ok. Ok, waouh. Ok, la compo. Inédit, je m'y attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Harit Under en 10 et Sanchez en 9. Donc, déjà, Guendouzi reprend son poste. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, je détestais Guendouzi en 10. Même s'il a fait de bons matchs, je trouve que ça le bride trop. Donc, tant mieux que Guendouzi revienne au milieu de terrain. Pape Gay, bon. Bon, il y avait Veretout, il y avait possibilité de mettre Veretout, mais bon, c'est pas grave, il va se reposer. En plus, il a joué la Ligue des Champions il y a 3 jours, donc c'est vrai que ça serait compliqué. Mais Klose, le pauvre, il va enchaîner le match. Hein. Oh là là, il va enchaîner le match. Du coup, en vrai, il y a qui sur le banc? Blanco, Bailly, Tavares, Caboret, Touré, Veretout, Gerson, Payet, Suarez. Ok. Ok, je vois les choix qui ont été faits. Alors je sais pas si ça va plaire à Payet, honnêtement. Bon, vu que déjà en conférence de presse pour la Ligue des Champions, il a dit je suis à 100%. Et au final, bah il est rentré à la fin du match, quoi. Et là, il est pas du tout titulaire. Je sais pas si ça va être cool pour lui. Sanchez, bon, le retour, c'est normal qu'il soit titu, il n'y a aucun souci là-dessus. Under, moi je suis content. Under, je suis content qu'il soit titu. Je suis content qu'il soit titu parce qu'en fait, ça aurait obligé, parce que sinon, ça aurait obligé Guendouzi à revenir en 10 et bon, flemme. Flemme de revoir Guendouzi en 10. Harit, bah, c'est cool pour lui. Honnêtement, c'est cool pour lui qu'il commence titulaire. Après, bon, il a réussi à amener une sorte de déséquilibre, je trouve. Je trouve que Harit l'a ramené à un certain déséquilibre sur la fin de match contre Tottenham. Bon, il a eu un raté qui l'a un peu tué, mais bon, voilà quoi. Notre Ukrainien national me fait peur en piston. Tu parles de Kolasinac? Il est bosnien, je crois, en plus. Il est bosnien, mais ouais, en fait, le truc, j'ai. Je trouve que Kolasinac se bride trop quand il est en piston. Parce qu'en fait, les gens attendent qu'il aille forcément, qu'il soit forcément offensif à fond, bah, qu'il soit un Tavares bis, quoi. Mais je suis désolé, Kolasinac, c'est pas un Tavares bis.
Faut se sortir ça de la tête, les gars. Kolasinac, c'est un défenseur central gauche. Et là, je peux vous dire, ça va être compliqué pour lui sur son côté gauche. Hein. Moi, j'espère qu'il va faire un gros match. Mais je sens que ça va être compliqué pour lui sur le côté gauche. Hein. Vraiment, parce que là, c'est du coup, il avait fait un gros match contre Auxerre en défenseur central gauche. Et là, il le replace en piston. Ça va être compliqué, quoi. Enfin bref, Gueye aussi, j'ai un peu peur. Même si, bon, il y a eu son but aussi, il y a quelques matchs, c'était contre Clermont, il y a eu son but. J'espère que ça l'a mis en confiance, mais c'est vrai que, bon, Gueye, depuis le début de la saison, c'est pas le top du top. Payet est mort, c'est pas possible. Je te jure que, bon, je sais pas. En fait, je sais pas quel est l'objectif, je sais pas ce que compte faire Igor Tudor. Parce que, en vrai, Payet avait dit, je sais qu'il avait dit en conférence de presse, je suis à 100%, je suis prêt, etc. Bref, il avait un peu amplifié le truc, parce que tout le monde pensait qu'il était blessé. Il a dit, je suis à 100%, je suis prêt. Et bah, on s'attendait à ce que bon, il joue en Ligue des Champions. Au final, bon, il n'a pas joué, on se dit, bon, c'est pas grave, il va le faire rentrer. Il l'a fait rentrer assez tard, et là, il est même pas têtu. Après, je pense qu'il va comprendre. Honnêtement, je pense qu'il va peut-être compréhensif. Payet, il va peut-être être compréhensif sur le coup. Parce que, bah, il est grand. S'il est grand, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Donc, il va comprendre que, forcément, voilà, il est pas fait pour ce type de système. Le match est diffusé où? Alors, Vital, le match est diffusé. Je vais te dire ça. Je vais te dire ça, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Ne pars pas, je vais te dire ça. Je peux te lâcher un petit lien, si tu veux, sur Discord, si jamais t'as pas la chaîne. Je vais te dire ça. Hop. Hop. Tac. Alors, normalement, c'est Prime. Il faut que je te confirme ça. Hop. Voilà, normalement c'est Prime. Mais il faut une confirmation. Alors non, c'est Canal Plus Foot et Canal Plus Sport. Donc voilà, ce sera pas du tout Prime Vidéo. À noter que d'ailleurs, pour les personnes qui font du contenu foot, Prime, qu'est-ce que je raconte? Canal est arrivé sur TikTok, donc. Tous vos designs, tous vos edits, toutes vos vidéos Canal vont être bloquées. Alors, faut le savoir dès maintenant. Voilà, moi c'est pour que les gens aussi évitent de se faire avoir ou quoi que ce soit. Voilà, au moins je vous préviens d'avance pour les personnes qui font des edits, bien sûr. Donc voilà. Voilà, Canal s'est enregistré en tant que diffuseur. Sur TikTok, donc toutes les vidéos sorties de Canal, bah, c'est mort malheureusement. Sinon, je peux te lâcher un petit lien si tu veux sur le Discord, si jamais t'as pas la chaîne, bien sûr. Si t'as la chaîne, bah, force à toi. Mais je peux te lâcher un petit lien si jamais t'es en galère. N'hésite pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres infos Est-ce qu'il y a d'autres infos qui sont sorties? Tchac, tchac, tchac. Les supporters lillois sont déjà arrivés dans le stade. Alors, la compo de Lille, c'est aussi important la compo de Lille. À savoir qu'il n'y a pas, Rémi Cabella. Et oui, Rémi Cabella n'est pas sur la feuille de match, donc il est absent. Alors, en gardien Chevalier, qui est un très bon gardien. Je te dis Vidal dès maintenant. Mets-toi dans l'optique que ça va être Manuel Neuer dans les cages, parce que bon, de toute façon, souvent c'est Manuel Neuer quand ça tombe contre l'OM, c'est souvent ça. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment un niveau dessus, parce que en fait, le gars est vraiment bon. Après, je sais pas ce qu'il est devenu entre-temps, parce que je sais qu'il avait fait un prêt et que apparemment ça s'était mal passé, etc. J'espère que ça va être mauvais pour nous. Enfin, ça va être mauvais de son côté, du coup que ce sera bon pour nous. Mais je sais qu'il était très très bon il y a quelques années, donc j'espère qu'il s'est calmé. Alors il y a Zlatka, Diakité, Fonte, Diallo, Ismaili, Angel Gomez, Andreounas, André, pardon, oh là là, quel débile. Oh, j'ai dit Andreounas. Oh là, c'est très grave.
C'est très grave. André, Ounas, David et Bamba. Ok. Moi, celui qui me fait vraiment peur là, c'est David. Je vais pas mentir. Vraiment là, j'ai peur de Jonathan David dans cette équipe très rapide, très efficace. Donc voilà. Donc ça va être un peu compliqué. Je sais pas si il y a des Lillois qui ont dit quelque chose par rapport à leur compo. Je vais essayer de regarder ça. Ouais, bon, après. Bon, après Ounas, on sait quel type de joueur c'est. Hein. Donc ça va être technique à fond, fond, fond. Il n'est pas en PL chevalier. Attends, je crois. Je crois. T'es perspicace, toi. Parce que en vrai, c'est possible. Hein. Mais je sais pas s'il était en prêt en club de Ligue 1, justement. Attends, peut-être que je raconte n'importe quoi. Je vais quand même regarder. C'était pas. Attends, hop. Il coûte 2 500 000, donc ça j'en ai pas besoin. Je comptais pas l'acheter. Il était à Valenciennes. Il était à Valenciennes. Waouh! Il y a moyen que tu te réfères à. Ah, attends, je vais te dire à qui. Peut-être que tu parles, toi, de. Attends, gardien. Peut-être que tu parles de gardien de Leeds. Il y a moyen que tu parles du gardien de Leeds. Peut-être tu parles de Meslier. Je sais même pas comment ça se dit. Oh la honte. Je crois que c'est Meslier. Donc, toi, tu parles peut-être de Meslier. Bon, ça ressemble un peu. Mais lui, c'est un gardien de Leeds, effectivement. Bon, vu qu'il est français, il est né à Lorient, c'est peut-être pour ça que t'as inversé les deux. Mais Chevalier, je crois qu'il était en prêt en Ligue. Il était en prêt? Ouais, c'est ça, c'est en prêt pour 500 000 euros à Valenciennes. Voilà, il était en prêt à Valenciennes. Apparemment, il a fait un très très bon prêt. Et donc, du coup, il est de retour. Il est de retour. Chez les Lillois. Mais franchement, ça va être Bamba. Honnêtement, Bamba, le duo Bamba. Bamba, David, va être très compliqué à tenir. Mais bon, je fais confiance en Bemba. Je fais confiance en Bemba. Sinon. Non, t'inquiète, t'inquiète. Autant pour moi, pas de soucis. Pas de toute façon, même moi, je dis des fois. Alors, des fois, je dis des trucs, c'est très grave. Alors, non, quand c'est Raf, c'est encore pire. Alors Raph, des fois, il sort des dingueries. La dernière fois, on parlait de. Je sais pas si tu te souviens de la rumeur. Comment il s'appelle? Darko Lazovic, c'est ça? Alors, c'est parce que si je fais l'erreur, même moi, si je fais l'erreur, là, c'est grave quand même. Attends. Lazovic. Parce qu'on parlait de Lazovic, le joueur. Ouais, c'est ça, Darko Lazovic. On parlait de Lazovic. Et lui, je sais plus, il appelait Enzo Lazovic pendant tout le live. On avait invité un mec et pendant tout le live, le gars l'appelait Enzo Lazovic. Très très grave, très grave. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire? Je crois pas, il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news. Tac tac tac. Alors, non, il n'y a rien de nouveau. On va aller traîner un peu sur. Hop. On va aller voir ce qui se dit sur le hashtag TeamOM. Est-ce que les gens apprécient la compo? Est-ce que les gens apprécient la compo ou pas? Je sais pas d'ailleurs toi si Vidal toi t'aimes bien la compo ou pas. Parce que du coup je connais pas ton avis sur ça. Check. Check. Ok, il y a du monde au stade quand même. Ok, wow, ok d'accord, c'est rempli quand même. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors c'est dans, ouais c'est donc pas très longtemps. Est-ce que d'ailleurs le coup d'envoi c'est 21 h ou 20 h 45? Je sais pas si avec Canal+ ça diffère ou pas. 21 h, ok 21 h, 21 h, 21 h, 21 h, tac. Ok donc ça je vais l'enregistrer parce que j'en ai besoin. Ouais bon, pas mal d'avis qui divergent quand même. En priorité, les gens axent surtout sur Gigot et Balerdi. Et surtout le fait que Payet ne soit pas dans la compo. Mais bon.
à voir si ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits ou pas. En tout cas, du coup, vu qu'il est 37, il reste presque 20 minutes avant le début du match. Donc voilà, c'est un petit live découverte de la compo et on va parler un peu du match. Donc là, ça a duré 25 minutes. C'est un tout petit live très court. Juste pour vous donner un peu des nouvelles et voilà. Donc on se retrouve. Je pense pas faire de live sur le match parce que bon, je pense que ça aurait été mieux si on avait été plusieurs. Peut-être avec Raph et Steven. Mais c'est pas grave, du coup, on fera peut-être des lives prochainement. Faudra d'ailleurs que j'en parle sur TikTok, histoire que les gens viennent participer. Tac, tac, tac. Mais sinon, voilà, bon match à tous. Tous ceux qui étaient sur le live et ceux qui sont passés. On se revoit la prochaine fois. Il y aura peut-être un après-match d'ailleurs. Pas aujourd'hui, demain sûrement. Donc voilà. Salut à tous et profitez bien du match sur Canal Plus Sport. Et voilà, tout simplement. Donc salut tout le monde. À bientôt. Tchuss.